Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 12 mai 2024. Il est 17h et j'ouvre la 19e visioconférence de la série Les Galactiques 2024, dont le thème ce soir est les émissaires stellaires, que l'on appelle aussi les Starseeds ou les graines d'étoiles. Je rappelle, comme je le fais à chaque fois, que toutes les informations que je communique sont strictement et uniquement de sources extraterrestres, transmises noir sur blanc à l'écrit et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen, depuis le début de l'année 2016, voilà donc 8 ans. La présentation d'aujourd'hui est un extrait d'une conversation que j'ai enregistrée en 2020. Donc il ne s'agit ni de canalisation ni de télépathie. Je vais d'abord vous présenter la version terrestre de ce que sont les émissaires stellaires, les Starseeds, puis la version extraterrestre pour que vous puissiez former votre propre opinion. Dans mon livre « Premier contact », vous pouvez retrouver une partie des informations que je vais présenter disponible dans mon livre « Premier contact ». Les Starseeds ou graines d'étoiles en français sont des personnes qui semblent être comme tout le monde en apparence, mais qui ont une manière très différente de penser ou d'agir de celle de la majorité des humains. Ils ou elles se souviennent d'avoir vécu sur d'autres planètes et sont persuadés d'être ici sur Terre pour accomplir une mission spécifique. Ils ou elles ont choisi, pour des raisons personnelles ou humanistes, de naître ici sur Terre et entrer dans un cycle d'incarnation terrestre. L'incarnation se fait généralement lorsque le fœtus a 3 semaines, mais quelquefois plus rapidement. Le rôle des Starseeds, des émissaires stellaires, est de rendre le monde meilleur, et c'est pour cette raison qu'ils sont envoyés sur Terre ou qu'ils ont choisi de venir. Ils aiment la nuit, se sentent apaisés lorsque les étoiles brillent dans le ciel et passent généralement moins de temps à dormir qu'une personne normale. Ils ne s'intéressent qu'aux choses importantes et ne s'arrêtent pas aux apparences. Les émissaires stellaires qui se réincarnent sur Terre sont divisés essentiellement en 2 groupes. Premièrement, ceux qui sont originaires d'une planète étrangère et descendus sur Terre pour y effectuer un travail ou accomplir une mission pendant un nombre d'années données, souvent la durée de leur vie terrestre. De manière générale, la majorité des terriens ont déjà vécu de très nombreuses incarnations sur Terre ou ailleurs et peuvent avoir besoin d'en vivre de nombreuses autres avant de pouvoir s'éveiller à leur statut stellaire et à leur mission, qu'il s'agisse d'émissaires qui utilisent des technologies de pointe ou des natifs qui passent d'une espèce à une autre et par l'évolution biologique naturelle. Les émissaires stellaires ont pas mal de difficultés à vivre dans la société terrestre. Enfin, tout au moins, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont réellement. Si quelqu'un est d'une fréquence élevée, par exemple, qui vient d'une planète en 5D, c'est-à-dire en 50 Hz, en 5e densité, la Terre est un endroit difficile à vivre car elle est en 3D, en 783 Hz. Lorsque la fréquence de la planète baisse, à cause de toute la négativité qui s'y passe, alors le décalage de fréquence s'aggrave, approfondissant le mal-être des émissaires stellaires davantage et quelquefois pendant très longtemps, des décennies quelquefois.
Beaucoup d'émissaires stellaires qui ne se sentent pas originaires de la Terre se demandent qui ils sont, d'où ils viennent, quelles constellations et quelles planètes. Ils essaient de se souvenir de leur vie précédente dans d'autres mondes. Vous avez probablement l'impression que vous avez besoin de savoir qui vous êtes en fonction de ce que vous étiez, sans réaliser que tout ce que vous êtes aujourd'hui est façonné par ce que vous étiez. Cette mémoire que vous essayez de retrouver se trouve donc déjà en vous. Ces souvenirs sont déjà en vous. Vous n'avez donc pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire qui vous êtes, parce que vous seriez à la recherche d'une confirmation extérieure et vous abandonneriez votre pouvoir d'être vous-même entre les mains d'une autre personne qui ne vous connaît absolument pas et qui pourrait, consciemment ou inconsciemment, vous manipuler. Si vos souvenirs doivent revenir, ils reviendront ou non le moment venu. Ce que vous imaginez aujourd'hui est ce que vous serez, votre création et votre avenir. Pour ouvrir le coffre secret de cette mémoire instantanée, pour décoder l'ADN, la mémoire des cellules, pour comprendre ce que vous êtes, l'accepter, le voir face à face, votre mission ou simplement le fait d'être vivant ici. J'ai créé l'atelier numéro 9 dans ma boutique qui ouvrira le 5 septembre à 20h15 et qui aura lieu tous les jeudis. Je suis en train de le construire dans ma boutique, mais les 16 ateliers seront entièrement consacrés aux émissaires stellaires. Voici les thèmes des 8 premiers ateliers. L'atelier numéro 1, c'est la présentation de mes contacts extraterrestres, notamment de Zen, et la manière dont ils partagent les informations que je proposerai dans ces ateliers et que je propose ici dans ces visioconférences. L'atelier numéro 2, la méditation du moine de forêt, un résumé succinct de mon expérience de moine de forêt, des techniques de base, deux points de focus, méditation assise, passive et méditation en marchant active, l'intérêt, le but et pourquoi est-ce important pour les émissaires stellaires de pratiquer la méditation. L'atelier numéro 3, découvrez votre famille stellaire, l'exploration du subconscient grâce aux techniques d'exploration spirituelle régressive, l'induction des fréquences θ, la présentation succincte de 12 lignées extraterrestres qui vous serviront de base et de référence pour découvrir votre famille stellaire si vous ne la connaissez pas encore. L'atelier numéro 4, votre naissance stellaire sur Terre, les cycles d'incarnation sur Terre ou une autre planète, les techniques d'incarnation naturelles ou grâce aux technologies d'immersion avancées et les capsules holographiques d'immersion. L'atelier numéro 5, la programmation de votre future vie sur Terre, que vous avez prévue avant de venir. Vous vouliez vivre ici sur Terre. Quelles étaient vos motivations? Était-ce des raisons personnelles, des buts humanistes? Pourquoi avez-vous décidé de vous incarner sur Terre plutôt que sur une autre planète? Atelier numéro 6, la programmation de votre mission. Vous l'avez aussi programmée avant de venir sur Terre. Quelles sont vos expertises? Quelle est votre mission? L'avez-vous programmée avant de venir? Normalement, oui. Comment pouvez-vous la définir et savoir ce qu'elle est? Atelier numéro 7, synchronisation par les extraterrestres, mise à niveau des fréquences maternelles dès le moment de votre conception. Quelle lignée extraterrestre abducte les terriens et pourquoi? Et l'atelier numéro 8, vos difficultés d'évoluer sur Terre, les phases d'évolution, la famille biologique, les décalages physiques, psychologiques, les passages en hôpital psychiatrique, les quêtes spirituelles non abouties, le mal-être, la difficulté d'être social, de se faire des amis,
de communiquer avec les autres. Il reste donc dans cette programmation sur ma boutique 8 ateliers à compléter et au lieu de le faire moi-même, j'aimerais entendre ce que vous souhaiteriez. J'ai ouvert la porte à la discussion car j'attends de tous mes sponsors qui se sont inscrits au forfait sur ma chaîne YouTube qu'ils réfléchissent aux 8 ateliers restants et qu'ils me disent ce qu'ils souhaitent y trouver, ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils souhaitent partager en toute franchise et j'intégrerai ces thèmes et ces motivations dans les 8 derniers ateliers. Si vous êtes l'un de mes sponsors et que vous n'avez pas encore intégré mes groupes sur Discord et les réunions que nous avons sur Zoom, merci de m'envoyer un courriel en cliquant sur l'onglet « Contact » de ma boutique qui est, en un seul mot et en minuscule, teamspacenews.boutique.